Mais assez d'entendre parler de meurtre toute la journée, de sang et d'entrer à des heures pas possibles, hein, dis-le. Et puis surtout de ne pas avoir poussé mon petit môme, là. Et ça me faisait peur de le retrouver trop tard, là, oui. Ma petite Juliette. Voilà. Alors j'ai pensé, moi, vraiment en disponibilité, et puis après on verra, je vais m'occuper du resto avec Mario, vous viendrez quand vous voulez, vous avez table ouverte. Et puis si elle ne me supporte pas, bah, je reviendrai. Voilà. Ah non, je t'en supplie, hein, garde-le parce qu'avec ses costumes de Tarlouse. C'est bien de mafieux, je peux plus. Mais quoi? Alex. Il y a Alexandre, bonne chance dans votre nouvelle vie. Et soyez un bon père pour votre enfant. Et vous, il fut un temps, j'aurais bien aimé avoir un fils comme vous. Merci, Michel. Allô? Oui, Nostrovie. Nostrovie. Oui, Georges. Qu'on se revoit plus. Voilà. Au revoir, monsieur. Jean-Louis m'a piqué pour votre père. Pas facile, la famille. Hein. Moi qui essaie d'informer lui en ce moment, je suis bien passé pour le dire. Le commandant. Écoutez, Cisco, ce soir, je préférerais qu'on mette le commandant au vestiaire. Hélène. Et puisque on est là, Hélène, je voulais vous dire que malgré des débuts un peu houleux, des moments où on s'est pas très bien compris, puis maintenant vous faites un peu partie de ma famille, vous aussi. C'est ça le problème avec moi. Les gens que j'aime, soit je suis pas foutue de les garder, soit je suis pas foutue de leur dire. Vous me manquerez. Mais je peux encore venir. Chiche.